c'est pour toi, alors aujourd'hui une petite vidéo, alors un petit unboxing, voilà, donc une petite commande que j'ai fait sur GoTrot. Alors j'ai commencé à ouvrir pour pas galérer pendant une heure en vidéo. Voilà, c'est une petite, vraiment un petit unboxing, il n'y a pas grand chose dedans, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc ma cheville est toujours pétée, voilà, ça fera 2 semaines demain, donc il va me rester 4 semaines. Et merci encore pour le soutien que j'ai eu sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Voilà, je viens enfin de réussir après au moins, je pense, une bonne petite nuit parce que j'ai bien galéré. Donc il reste encore le carton évidemment. Allez, c'est parti. Donc on commence avec ce petit poster. Voilà, je l'ai acheté 4 ans. Breakless oisé parce que les nylons ça pue la merde, donc j'espère que cela seront j'espère que cela sera mieux tout simplement. Voilà, ça ressemble à ça. Ça prend pas toute la roue, donc j'espère que je vais pas me repéter la cheville parce que là par contre je serai bien vénère, hein, parce que voilà, ça sera un petit peu gros. Ensuite on passe pratiquement au meilleur parce que ça les gars j'y tiens vraiment beaucoup. Et la grippe bleue, voilà, il est magnifique. Donc c'est un grip, c'est les grips pratiquement les plus chers que j'ai vu. Je crois que c'est les plus chers que j'ai vu sur les sites de trot. Il y en a pour 13 euros de grip, alors qu'un grip vous pouvez facilement en trouver par exemple 2 comme ça sans le et la grippe pour seulement 4 euros par exemple. Vous pouvez en avoir 3 et tout. Donc c'est vrai que c'est cher, mais par contre j'aime bien le logo. Et ensuite, ça. Là-dedans, il y a un JDD Blunt, c'est pour l'anniversaire d'Antoine, pardon, qui est samedi. Attendez, aujourd'hui, on est le bourreau, je sais pas trop. Il le fait samedi, en tout cas, donc ça, ce sera pour lui. Voilà, petit JDD bleu. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, un petit JDD Blunt, voilà, couleur bleu clair, avec les petits JDD, évidemment, qui se mettent à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit JDD, ça, je ne vais pas vous présenter, parce que déjà, c'est pour l'anniversaire d'Antoine. De toute façon, il est au courant que je l'ai commandé. Donc voilà, évidemment, comme je dis, c'était un petit unboxing. Hein. C'est sûr que là-dedans, pour une cartière Senseo, c'est un petit peu plat. Mais bon, voilà, vraiment, c'est un petit unboxing. Moi, personnellement, je suis très content de ce qu'il y a dedans. Je vais tester ce frein dans 4 semaines, du coup. Hein. Et encore, le temps. D'ici 5 à 6 semaines, et donc voilà.